suis ravie de te voir. Voilà. Chez toi, dans ce beau soleil pour en Sur le quai de la gare, une secrétaire d'État qui parle météo, la politique au beau fixe. Un quart d'heure plus tard, autre ambiance, plus fraîche. Les gilets jaunes manifestent devant la salle où La République En Marche doit se réunir. Un jeune manifestant sera d'ailleurs interpellé. Les militants d'Extinction Rébellion sont aussi là. On vient ici pour montrer que tous les projets ne marchent pas, puisque c'est une tournée qui parle des projets qui marchent en France. Chez nous, on a des projets qui ne marchent pas, comme les VET, où on remplace par du béton. L'écologie, la spécialité d'Éric Alauzet. Devant l'état-major de La République En Marche, il déroule. Pour ceux qui en doutaient encore, le candidat au municipal, c'est lui. C'est pas une écologie de façade, celle d'Éric Alauzet, c'est vraiment quelqu'un qui en a fait le socle de son engagement. Et c'est pour ça que je suis ravie ici d'être à ses côtés. Dans la salle, légèrement en retrait, Alexandra Cordier, la responsable LREM du Doubs, poussée par Jean-Louis Fousseret, elle aussi vise la mairie. Non, mais soit elle est dans le cadre de La République En Marche, elle vient avec nous, soit elle se met en dehors, c'est elle qui fera le choix et les conséquences seront évidentes ensuite. C'est-à-dire, quelles conséquences, soyons clairs? Non, mais je ne sais pas, c'est au mouvement à le décider. Alexandra Cordier exclut en cas de dissidence. Personne ne le dit, mais beaucoup y pensent. En cas de dissidence, je ne vois pas comment on peut rester représentant du mouvement. Mais ça, après, ce n'est pas moi qui prendrai la décision, c'est simplement un point de vue, mon opinion. Est-ce qu'à terme, ça peut aller jusqu'à l'exclusion d'Alexandra Cordier? Vous savez, c'est... J'ai toujours été constant sur cette question-là. Jamais comme ça que j'ai envisagé les choses. Quant à l'intéressée elle-même, elle entretient le mystère. Je vous donne rendez-vous vraiment dans un mois, mais aujourd'hui, on n'est pas sur cette initiative. On est très fiers à Besançon d'accueillir Brune Poirson. Fin d'après-midi, inauguration du local d'Éric Alauzet dans le centre-ville de Besançon. Pour que Besançon reste une ville progressiste, une ville en marche. Jean-Louis Fousseret et Alexandra Cordier ont séché l'invitation.